La caserne précédente datait de 1966, donc près de 53 ans, ne répondait plus aux besoins actuels d'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la formation, à l'intérieur de la caserne, de la décontamination des équipements, naturellement aussi un endroit d'entraînement. Il faut comprendre que les pompiers sont 24 heures sur 24 à l'intérieur de la caserne, 365 jours par année. Donc, c'est devenu pour nous un milieu de vie qui doit être adapté aux besoins du 21e siècle. On est des usagers. Alors, c'est important qu'on travaille en partenariat pour faire en sorte que quand on livre un produit, que ce produit-là répond vraiment aux besoins quotidiens des travailleurs. On évite aussi beaucoup de coûts là, de modifications en cours de route, etc. Donc, présentement, on livre un produit qui ne nécessitera pas tant d'ajustements que ça. On est à fine pointe là, de la technologie.